nous non seulement nous travaillons dans la question de monde, mais nous travaillons dans la question de prison. Parce qu'en matière de prison en Haïti, tout le monde connaît ces cadeaux qui sont toujours devant la scène pour avoir des informations, pour dénoncer, etc., pour faire plaidoyer, pour permettre que vous améliorer les conditions de détention prisonnier, rencontrer avec responsables, rencontrer avec DAP, parce que cadeau, rencontrer avec DAP déjà. Nous-mêmes comme avocat, nous là pour demander et améliorer les conditions de détention, apaiser les frustrations, etc. Parce que dans la bataille longtemps, et pas bien focus sa gain sous prison. Nous avons dit 4 ans, 5 ans de cela, 6 ans de cela, tu dit pas bien focus ça sous prison. Parce que prison, c'est un simple endroit pour les gens, mais à partir de l'intervention que nous-mêmes avons fait au niveau cadeau. Donc, nous voulons permettre qu'on focus sur prison et qui va permettre que un jour, si l'État fait politique sérieux, qu'on politique pour prison et améliorer les conditions de prison. Et nous regardons là, sorti mars, parce que la dernière grosse évasion fait là, c'est 2 mars. Sorti mars à mai, c'est à 6 mai, 2 mars, 2 avril, 2 mai, 3 mois, nous avons presque 4 prison qui subit tentative, pour ne pas dire qui a tentative là-dedans, ça qui vide net, ça qui tentative. Nous avons Jacques Mel qui était manqué pour tentative là-dedans, donc il a mis l'ordre, la police qui a mis l'ordre. Nous avons Port-au-Prince qui a 3696 prisonniers qui ont été sauvés, il était 99, 3696 prisonniers qui ont été sauvés dans le pénitentiaire, et nous avons 1023 ont été sauvés. Pour moi, non ça va de paix là, plus mon appel chiffre. Nous rio prisonniers qui étaient dans la prison civile de paix, 37 prisonniers qui étaient. 37 prisonniers dans la prison civile de paix, c'est 12 qui sont sauvés. Les chiffres que nous avons comme cadeau, après enquête, nous menons dans le niveau de paix, parce que le cadeau est à travers tout le pays. Et on va comprendre que non seulement nous avons des chiffres, mais cependant, nous avons SOS que nous lançons tout. Non moi pas la fois là prison civile Omega pas gagné manger et le rencontre avec DAP DAP Boudjab pas une possibilité pour ta permettre que manger arrive à temps pour que ça si on est à cause de l'insécurité à cause de problèmes qui vient là à cause de bandits qui prend antissant gagne de manger qu'on a côté bandits qu'on prend là-dedans bandits qu'on fait qu'on réclame de grosses sommes pour quitter manger passé c'est tout ça va affecter prison. Et il y a Akin, il y a Jérémy, il y a Jacques Mel, il y a Tigouave, il y a Miragouane, il y a tout Kafou. C'est des prisons. Pas étonné que câble de CEO, je vais le répéter parce que pas de possibilité de vous manger. Dans la prison au Cap lui-même, où nous vivons mal, c'est 20 ans qui sont mon lieu, les sentis, mauvais de l'eau, etc. Et non, au moment où on a parlé là, on grève. Non seulement tu as un grève graphique là déjà, mais il y a un policier DAP qui a fait revendication. Revendication pour demander des frais. Qui conséquence ça a gagné? C'est que le policier n'a pas voulu travailler dans la prison, ça a créé émeute. Tu as dit, le pari de surveillance, le pari de travail qui a fait, ça a créé émeute, la prison qui a crasé. Et nous-mêmes, comme avocats, dans le niveau cadeau et dans le niveau cabinet avocatus, nous pensons que c'est extrêmement important pour DAP ou autorité justice, alors autorité policière, chita, police rapide, pour résoudre la question de la crise qui est à niveau policier qui a suivi la question de la prison. D'ailleurs, les deux parents ont commencé à plaindre, leur manger prisonnier va recevoir. Donc, vous pouvez imaginer, pas même qu'ils mangent déjà, pour y avoir manger prisonnier et puis les policiers ne peuvent pas recevoir. Donc, c'est le monde à l'envers, mais qui s'est à sa côté. Et de toi, nous venons. Nous-mêmes, comme avocats, M. Jude, M. Anel Rémy, notre avocat, leurs prisons ont été écrasées. Vous entendez bien, oui? Leurs prisons ont été écrasées. Un pile médiataire de nous pour la vie juridique. Nous. Qui ça nous pensait, qui ça évasion? Évasion, c'est une infraction. Les cas correctionnels, les cas criminels. Maintenant, évasion, c'est une infraction à partir de l'appel que la police a lancé pour peut-être venir. Un pile prisonnier qui était sauvé. Le pas la fenoube, par personne interposée, par famille, nous te disons sagement retourner. Gain de prisonniers même,
dès même pas la vraie personne, dit je vous accompagnerai à un commissariat. Malheureusement, vous laissez prendre, vous emportez par des conseils, par des mauvais conseils. C'est-à-dire, l'on prisonnier sauvé, un bon exemple. Évasion, il y a sous deux ans, il y a une peine correctionnelle et criminelle. L'évasion, il y a une peine correctionnelle, avait dit le cap est à 3 ans. Ça veut dire, si évasion, par dépend de où, si son goudou goudou, si son circonstance naturelle, si son effondrement, pas qu'on ça lié. Maintenant, pour si son tremblement de terre, bien sûr. Maintenant, pour protéger tête, l'on est prison casée. Avec une circonstance naturelle, ou car vous tirez tête en prison en béton côté. Mais après ça, il faut que votre tête vienne. Maintenant, automatiquement, votre tête vienne, il y a la justice par le taxo, par le tacho, dans une fois que vous avez des fugitifs. Maintenant, en plus de peine pour vous déjà, si vous avez une peine, vous avez purgé déjà. Par exemple, on est quitté dans la prison pour 5 ans. Les villes évadées. Il y a pas le juge de tribunal pour une deuxième infraction. Il n'y a pas de tribunal pour des infractions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait calcul, retirer, etc. Il y a tant ouais. De fin purgé, peine 5 ans, maintenant pour peine évasion commencer. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est qui dit être intelligemment, bon, me sauver dans la prison, vous serez éternellement fugitif.